présentement 6h50, on est lundi le 31 août et aujourd'hui la journée officielle où je commence en tant qu'étudiante à l'Université de Sherbrooke. Donc j'avais le goût de vlogger ma journée, kind of a day in my life as a Sherbrooquoise, Sherbrookienne, en tout cas. je suis vraiment contente d'être ici puis j'avais juste le goût de partager l'expérience avec vous. Je suis stressée, je suis fébrile, I've got a mix of emotions. Je me suis fait un café, théoriquement le matin, souvent j'ai vraiment faim puis je me fais un gros bol, un gros smoothie bowl, un gros déjeuner, puis là, je suis juste comme « nope ». Les émotions sont venues couper ma faim. Donc, il faut que je me prépare parce qu'à 8h, j'ai une amie qui vient me chercher. En fait, Rosa, elle étudie dans le même programme que moi au HEC, puis là, on est dans le même programme à la maîtrise ici. Fait qu'on voulait arriver ensemble la première journée. De un, parce qu'il faut qu'on trouve notre local, puis de deux, parce qu'on voulait pas être loner. Et aussi, avant que j'aille me préparer, je voulais juste vous dire, je sais que la qualité de la vidéo va être moindre, le son de la vidéo va être moindre. J'ai pas amené mon équipement professionnel, donc ma caméra et tout, ici à Sherbrooke encore. Donc là, je suis prise avec mon good old iPhone 10. Mais je me suis dit que ça vaudrait quand même la peine que je le vlog pour vous. Donc, les vlogs de meilleure qualité vont s'en venir dans le futur, mais pour le moment, we gotta stick with the iPhone. Ceci étant dit, je me ferme la bouche et je me prépare. Donc, je suis prête pour ma toute première journée. Je suis vraiment sur les nerfs en ce moment. J'ai un cours de séminaire de recherche appliquée. Bon, je suis back home, ça a vraiment été très tranquille. Sincèrement, nous, nos cours, dans le fond, sont tous en présidentiel, mais ils sont écourtés à 2 heures, puis on a comme 1 heure de travail à faire chez nous. Fait que 2 heures, ça passe super vite. Puis là, j'étais un peu stressée ce matin, fait que j'ai pas tant vlogué quand j'étais dans le bâtiment de l'école, parce que, comme vous pouvez l'imaginer, c'est un peu gênant. Fait que notre cours s'est super bien passé, le prof est super chill. Je sais que c'est un sujet qui va moins me passionner, mais quand même. Mais quand même, ça va être intéressant, puis c'est utile, surtout quand tu fais une maîtrise, des recherches et tout. Fait que, donc, pour le reste de la journée, en fait, je travaille de midi à 5. Fait que c'est quand même un gros chunk de ma journée. Il reste un peu de temps avant que je commence à travailler, fait que je vais juste me préparer un petit lunch, m'installer confortablement, puis commencer mon shift chez Aldo. J'allais faire ma carte étudiante vu que j'étais sur le campus avec mon amie Rosalie, puis... This is what it looks like. Donc, j'ai fait un petit changement de OOTD vu que je vais littéralement être devant un ordinateur pendant 5 heures. Je vais être confortable. Donc, je porte ce petit crew neck où c'est écrit Atelier, tellement confortable de chez H&M avec des joggers noirs de chez Aritzia. Et là, je vais dans le fond aller chauffer mon lunch. Puis je vais m'installer dans ma cuisine aujourd'hui pour travailler juste parce qu'il y a plus de lumière naturelle. Je me suis fait des pâtes il y a quelques jours avec une sauce de spaghetti, mais vegan de chez Mamie Vegan. C'est la première fois que j'essaie cette sauce-là. Sincèrement, very impressed. Elle est vraiment, vraiment bonne. J'ai juste ajouté des chili flakes par-dessus. Puis il m'en restait. Fait que ça va être ça mon lunch d'aujourd'hui. Je reçois une boîte coquette aujourd'hui. Je suis tellement, mais tellement heureuse que je puisse continuer, dans le fond, à avoir mes boîtes coquettes, même si je ne suis pas à Montréal. C'est vraiment le fun de voir qu'une compagnie montréalaise permet, dans le fond, la livraison en dehors de la région de Montréal. Donc, pour le souper de ce soir, je vais faire une recette de coquettes. Sauf que là, pour le moment, j'ai pas tant d'épicerie. Fait que je me débrouille avec ce que j'ai. Puis j'avais des restants. Fait que quick and easy. Je vais manger mes pâtes en travaillant. That's it. Donc, j'ai mes pâtes. J'ai mon eau avec du citron, j'ai mon espace de travail, puis j'ai quand même un peu de soleil, fait que je suis bien setée. Donc, je viens de finir, on va fermer ça. The struggle. Je viens de finir ma première moitié de shift. Comme vous pouvez voir, je suis un peu brain dead là, après 2 heures de cours puis 2h30 de travail.
Mais bon, là, j'ai un petit break de 15 minutes. Je pense que je vais me faire un petit snack. Mais en même temps, j'ai pas tant faim. On dirait que je suis comme... My head is all over the place. C'était vraiment comme un peu plus stressant comme début de shift parce que c'est mon premier shift officiel, pas en training. Fait que j'étais comme seule. On a du support à distance si c'est nécessaire parce que, bien évidemment, comme j'ai dit, c'est mon premier shift. Mais ça a été vraiment fou, là. Ça a été quand même rushant, beaucoup de travail à faire. Fait que ça a passé vite. Mais là, je pense que juste me détendre un petit peu. Pour 15 minutes. Parce qu'on dirait que comme depuis ce matin, j'ai pas arrêté une seconde. Puis il me reste encore 2h30 de travail dès que une fois que je retourne dans le fond après mon shift. Vous comprenez. Regardez ce que je viens de recevoir. J'ai ouvert la boîte, je me souviens même pas de ce que j'ai commandé. Donc, voyons voir ce que j'ai ici. Crevettes à l'ail et couscous au citron. Ça a l'air absolument délicieux. Boule de hummus au pesto, tomates séchées, ça a l'air absolument délicieux, ça aussi. Salade rafraîchissante de farfalle, j'allais dire falafel, qui a l'air, ma foi, tout aussi bon. Vraiment, tout a l'air délicieux, là. Saumon à l'érable et salsa de fraises. Là, je sais pas qu'est-ce que je vais faire ce soir, parce que la façon que j'ai pensé ça cette semaine, c'est que j'allais, dans le fond, faire comme les boules de hummus puis les salades plus en lunch. Et j'allais faire, mettons, les crevettes puis le saumon plus en souper. Fait que ce que je pense, ça serait vraiment fou de ma part, mais au moins je pourrais pas dire que j'ai une journée paresseuse. Je pourrais faire deux recettes ce soir. Fait que je pourrais, mettons, faire la salade en meal prep un peu, puis l'avoir déjà prête dans le frigo pour mes lunchs. Parce que demain, par exemple, j'ai un cours le matin et un cours l'après-midi. Fait que j'ai juste à arriver puis mon lunch va déjà être prêt. Which I think would be the smart thing to do. Puis là, je pourrais faire, mettons, les crevettes pour mon souper de ce soir, puis avoir des restants pour demain aussi. Puis là, mettons, mercredi, ma journée off, je pourrais faire les deux autres recettes pour le reste de la semaine. Fait que je pense que c'est ça que je vais faire. Am I crazy? A little bit, but you know what? Also in denial. Quand je dis in denial, je veux dire que je vais clairement être brûlée tantôt, mais bon, je vais mieux dormir ce soir. Donc, je viens de finir ma journée, j'ai fait un petit peu de overtime, puis là, il faut que j'aille faire mes deux recettes coquettes, mais ce soir, c'est soirée OD! OD revient à nos télés. Ou à nos écrans, j'aimerais plus dire, parce qu'il n'y a personne qui regarde la télé. Et j'allais chercher une petite bouteille de vin pour célébrer le tout. Célébrer le début d'OD, célébrer ma première officielle journée d'école. Good times. J'ai hâte. Allons-y. Yeah. Je suis fatiguée. J'ai quand même une grosse journée quand j'y pense. Il est 10h30, là, j'ai pris ma douche après, j'ai fait mon petit skincare, puis là, je suis claquée pour elle, je suis prête à me coucher. Mais avant ça, j'ai juste regardé comme mes plans de cours encore pour mes cours de demain, être sûre que j'ai rien manqué. Et je pense qu'après ça, je vais faire un beau dodo, parce que faut que je me lève encore à 6h30 demain. Peut-être un peu plus tôt, parce que j'ai trouvé ça serré ce matin, j'ai pas déjeuné ni rien. Donc, peut-être 6h, pour être sûre que je peux prendre le temps de déjeuner. Process everything. Donc, je sais que ça a été une journée très relaxe, malgré le fait que ça n'a pas été relaxe, dans le sens que je suis pas allée genre explorer la ville ou des choses comme ça, mais ça, c'est dans les prochains vlogs à venir. Ça va me prendre un peu de temps de m'ajuster, je connais pas encore la ville, which is fun and exciting, mais en même temps, il faut juste que je trouve le temps puis le moment pour aller faire ça, donc là, il est vraiment temps que j'aille faire dodo. C'est rendu au point que je suis même pas capable, tu vois, je suis même pas capable d'articuler comme il faut, puis ça arrive quand je suis vraiment claquée, fait que on se dit... Bye bye et à une prochaine vidéo. Bye!